C'est tout ça maintenant, mais on n'a pas pu résister. Plaisir de vous offrir ce jingle qui, il y a encore quelques demi-douzaines d'années, s'émissait pour le film du dimanche soir. Donc, accessoirement, ce n'est pas qu'un jingle, c'est une partition très sérieuse qui s'appelle In the Stones. Oui, c'était une musique de Earth, Wind and Fire, que nous vous jouerons bientôt complètement. Voilà. Bonjour. Bienvenue au concert de musique de film. On va vous interpréter Le jour le plus long de Polanka. Donc, en 1957, la musique est aux mains des pionniers du rock'n'roll que l'Amérique adulte se refuse encore à prendre au sérieux. Pour cette dernière, l'arrivée de Polanka est une bénédiction. Ce jeune Canadien devient célèbre grâce à Diana, un morceau d'une fraîcheur éternelle, reconnaissable entre mille grâce à son intro saxophone et à la voix candide de son interprète alors âgé de 16 ans. John Wayne, Polanka, Bourvil, Arletty, un casting de rêve pour un classique du cinéma. Le jour le plus long sortait il y a tout juste 50 ans, en 1962. Vous ne le savez peut-être pas, mais les scènes du débarquement du film ont été tournées sur les plages de l'île de Ré, à Saint-Clément-des-Baleines et Rivedoux. Thank you.
La Strada est un film de Federico Fellini, sorti en 1954, dont la musique a été écrite par Nino Rota. Nino Rota est né à Milan, en Italie, le 3 décembre 1911. Il a écrit 11 opéras ainsi que 6 ballets dans la pièce que nous allons vous jouer. Il a travaillé avec les plus grands cinéastes en écrivant différentes musiques de films comme Le Guépard ou encore Le Parrain de Francis Ford Coppola. Ce film lui a valu d'ailleurs une grande renommée aux États-Unis. Les trompettistes sonnés de ce morceau se nomment Mathieu. Bonne écoute. Thank you.
nous allons vous jouer Outback de Tomatoes. Les aborigènes, comme les habitants d'Australie, constituent un des plus anciens peuples existant actuellement dans le monde. L'arrivée des Européens sur les terres australiennes signait le début du déclin de la population autochtone. Pourtant, les secrets de la culture aborigène fascinent toujours autant et continuent de nourrir notre imagination, comme en témoigne cette œuvre de Tomatoes composée par la Fédération des Jeunesses Musicales d'Autriche. Donc pour ce morceau, nous allons accueillir Fabien Truy au didgeridoo. Qui peut nous jouer une note? C'est le didgeridoo. Ce sont les femmes d'une tribu du nord d'Australie qui étaient sorties ramasser du bois pour le feu. Au cours de la journée, le vent s'était levé et ils entendaient un son étrange, mais envoûtant. Intriguées, elles cherchèrent d'où venait ce son et découvrirent qu'il provenait d'un tronc creux. Si le vent est capable de produire un tel son, alors nos hommes aussi, se dirent-elles. Des hommes fabriquèrent de plusieurs instruments de la sorte et organisèrent une cérémonie de danse. Le didgeridoo était né. Thank you.
Thank you.
Thank you.